Are you listening? Et bonjour les gens, c'est Mister Nose et on se retrouve aujourd'hui sur un petit jeu pas gratuit du tout. Non, il s'agit de Creativerse. Alors Creativerse, c'est un jeu qui m'a été donné de tester gratuitement toute cette semaine, mais je l'ai pas fait grâce à Steam, hein. Donc c'est une offre qui concerne tout le monde, mais à l'heure où je vous parle, où la vidéo elle paraît, l'offre doit être avortée, elle doit être terminée. Qu'est-ce que c'est Creativerse? Et ben c'est un jeu à la Minecraft, je l'ai à peine testé, juste histoire de faire mes tests son, etc. On va ouvrir un nouveau monde et on va découvrir ça ensemble. Alors apparemment c'est un open world et il me demande de create a world. Je l'ai déjà fait. Alors attendez, bougez pas, back. Je vais aller là. Et bah play, voilà, c'est ma zone test. Voilà, bon bah il va charger. On va le laisser charger. Et on se retrouve tout de suite, hein, tout de suite. Ratatats les gens, nous voilà dans un monde en pleine génération de chunks. Alors on va faire un truc tout de suite, parce que vu que j'utilise OBS et le Face Commentary, j'ai peur que ça pompe au niveau des FPS. On va faire Game Option, Visual, j'avais déjà réduit la qualité, good, on va mettre en rapide. Voilà, appliquer, accepter. Shadow quality. Attendez, on va peut-être réduire ça aussi. Il veut bien ou pas? Low. Radius, ça, on va mettre à 11. On va faire accepter, appliquer, accepter, back. Quand tu veux, back. Alors, voilà, ça va peut-être être plus fluide. Ça va éviter les saccades. Hein, on essaye de faire les choses bien quand même, un minimum. Alors, vous voyez que si je fais un clic gauche, je peux récolter tous les éléments ainsi que les cubes. Tout, hein, c'est un jeu sandbox. Oh, il y a des créatures, c'est rigolo. C'est rigolo. Alors, je sais pas encore comment on tape sur les bestioles, mais si je vais dans l'inventaire, donc on voit mon petit bonhomme, là il est un skid tout kawaii, on voit que ça va être mon stuff. Ça va être pour pouvoir me stuffer les pieds, le torse, les bras et la tête à l'ouette. Crafting. Donc on a des objets, il me faut du bois de bouleau et pas du bois de boulogne, des mushrooms, des amanitum mouches, il me faut des vines, ça va être des lianes, et il me faut yellow flower, des fleurs jaunes, hein, des espèces de bulbes, et une machette. Donc on va essayer de récolter du bois. Là j'ai une flasque, il me faut des champignons, et bah écoutez, on va explorer. Si j'appuie sur la charge, oui ça marche. Alors par contre, petit défaut, regardez là, je bouge la souris droite gauche, je suis en QWERTY. Si je passe en AZERTY, hop, donc avec Shift plus Alt, bah, la souris ça fonctionne plus. Donc je reste en QWERTY. Donc c'est la touche DW pour me déplacer en avant. Ça m'avance pas des masses, c'est pas très pratique, mais on devrait s'en sortir. Je regarde au niveau du retour, ça a l'air d'être à peu près fluide. On va faire avec. Alors on a des crabes. Et eh ben on va éviter de les embêter, donc ce sont des créatures qui ne sont pas hostiles pour le moment. Du bois de bouleau, on en a là. Alors attends, fais-moi un escalier. Hop, voilà, merci. Du bois de bouleau et des lianes, regardez, on en a là. Donc on va essayer de se construire une arme. Quelques petites saccades quand même. Hein. Hop, ouh, et j'ai l'impression d'être un lilliputien. Hop, alors ça. Ah non, c'est pas des lianes ça. Là c'est du bois de bouleau, d'accord. Mais des lianes, il va falloir nous en trouver quelque part. Donc on va explorer un petit peu. J'aime beaucoup le côté très futuriste. À l'Iron Man. Hop. Donc ça devrait suffire ça, le boulot. Non. Ok. Donc au niveau de la physique, on voit que c'est comme dans Minecraft. Les cubes restent en l'air. Et bah Vine, est-ce que c'est pas des feuilles Vine? Hein? Quelque part. Non. Non, ça a pas l'air d'être ça. Il y en a peut-être, hein. Alors attendez, non, W, hop, on va se déplacer. Là je suis pas habitué.
Donc là j'arrive pas à prendre quoi que ce soit, mais bon, au lieu de prendre en l'air très très loin, je pourrais prendre à côté de chez moi. Donc il y a différents biomes aussi, hein. Différents biomes, mais je le découvre en même temps que vous, hein, le jeu. Oh, un rhino lézaro. Du tout kawaii. T'as une sale tronche, mais t'es mignon. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas un espèce de biome jungle ou quelque chose comme ça? Parce que attendez, je retourne dans l'inventaire. Ah, mais attendez. J'ai ce qu'il faut ou pas? Non, c'est pas ça. Alors attends. Craft, c'est quoi ça? Vines. Plantes snake. Ok, les plantes serpents. Ouais, ce sont des lianes. D'accord. J'ai rien compris. Mais je suis d'accord. Alors, il nous faut... J'aimerais bien essayer de construire un truc. Faire un petit craft. Ah, oh, regardez ça, c'est pas des... C'est pas des lianes ça? C'est pas des lianes ça? Ah non, c'est W pour avancer. Ce serait bien. Ah si, Vines, on va pouvoir faire un truc. D'accord, c'est sur les chaînes. Alors, avance. C'est sur les chaînes qu'il fallait le prendre. Bah vas-y, appuie. Hop. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ok. Il veut pas... Ah, je suis trop loin. Alors attends, comment tu recules? Voilà, avec S. Et attends, mais attends, je peux poser des cubes. Attends. Attends, je peux poser des cubes. Regarde, j'ai posé de l'herbe. Voilà. Ici, ouais, bah comme dans Minecraft, W pour avancer, pas Z. Hop. Ah, tata. Atatatata. Ça, c'est un tic que j'ai pris, je sais de qui. À force de regarder les vidéos des gens, hein. Et ben, on prend des tics, tatatatata. Ça, je voulais le prendre. Hop. Très, très bien. Très, très bien. Donc, est-ce que je peux construire un truc? J'ai un inventaire, mais il est... Par contre, où est-ce que... Est-ce que inventaire? Ah oui, d'accord, tout ce qui est dans ma barre rapide en fait n'apparaît pas dans mon inventaire ici. Est-ce que je peux faire un craft? Genre ça, on va crafter une arme. Oui! Woods World. Alors comment je m'équipe? Est-ce que je peux m'équiper en faisant glisser? Ok, d'accord, j'ai des armes de différents niveaux apparemment. Inventaire. Là, ça, si je le fais glisser là. Attendez, t'as fait un truc là. Attends. Comment je m'équipe? Là, 5, ok, d'accord, c'est bon. On a compris, alors attendez, on va appuyer sur 5. Yes. Merde, merde, je l'ai jeté. Attends. Interagir, F. Oui, prends ça. Take all, qu'est-ce que j'ai fait? Mince, c'est W. Ah. Et pourquoi il veut plus avancer ce... Parce que j'appuie pas sur la bonne touche. Donc attends, va la refaire. Appuie sur E. Appuie sur la touche, double clic, appuie sur échappe, 5, 5, 5, je suis équipé et quand j'appuie, je tape. On va buter des monstres, allez go. W pour avancer, c'est bon, c'est parti. Ouais, à mon avis, il y a un moyen pour configurer les touches, hein, pour que ce soit plus simple. Et on va tuer du cochon. Alors, du pic à cochon. Ça ressemble à Pikachu, sauf que c'est... Ah mais, oh, wow, il est dangereux lui. Ma barre de vie, où est-ce que ma... Ouais, ah d'accord, ma barre de vie en rouge. D'accord, loot bag, F, interagir. Je prends tout, take all. D'accord, je sais pas. Ah oui, alors attendez. Oh, c'est quoi, c'est de l'équipement ça? Qu'est-ce que c'est? Inventaire, attendez, puis j'ai ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça dans la barre? Mister Nose, ok, crafting. D'accord. Ah d'accord, regardez, je peux faire fabriquer des pièces d'armure, c'est bien foutu. Alors c'est un jeu qui coûte 9,99€, autant dire 10€, hein, parce que ça c'est du foutage de poire. Je suis poli que de dire que ça coûte que moins de 10€, hein, à 0,1 centime près, 0,01 centime près. Hop, ah bah il y a un système de jour-nuit. Alors attendez, dig, ah ouais d'accord, donc la touche 1 c'est pour dig, dig c'est pour se servir en fait. Ah non mais d'accord, en fait il verrouille. D'accord, je suis obligé de rappuyer sur un vraiment. Alors est-ce qu'on peut creuser en profondeur? On verra ça tout à l'heure, est-ce qu'il y a des cavernes? Est-ce qu'il y a quelque chose? J'aime beaucoup l'univers. Ah, je suis en définition lente, hein, définition basse. Sachant que, parce que pour la fluidité encore j'ai 2-3 saccades. On va aller dans le désert. Marcher dans le désert. Oh, de petites fleurs. J'aime beaucoup les fleurs. Ok, d'accord. Là, c'est la savane. On va prendre quelques herbes au passage. Il est bien ce jeu.
Il serait encore mieux s'il était gratuit. Oh, c'est quoi ça? Un crapaud feuille. Ouais, je donne des noms comme ça. Alors, 5. 5. J'ai dit 5. Appuie sur la... Voilà. Ok, il faut confirmer quoi en fait. Alors, crapaud feuille. Qu'est-ce que c'est? Un mirsweepy l'ami. Hop, vas-y, mais vas-y, défends-toi. On peut se défendre avec le... Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi qui ai fait ça ou c'est lui? Ah, you've been defeated. Bah oui, je vois bien que j'ai été defeated. Ah, mon téléporteur. Ah oui, parce que je vous ai pas montré, j'ai un téléporteur. S'il veut bien avancer, voilà, il faut pas que je me trompe de touche. Interagir, F. Oui, accepter, on peut les poser, hein, voyez, c'est la touche 3. Bah F, oui, accepter. Et il veut pas. Ah, c'est peut-être parce que j'en ai... Oh d'accord, ok, bon, bah il y a un autre principe, parce que regardez, si j'appuie sur 3, je peux poser un téléporteur ici, je peux interagir avec un clic droit, et normalement je peux me téléporter, je sais pas, j'ai pas tout compris. Bon, on va pas insister. Hop. En fait, il y a moyen de poser des téléporteurs. Hein, ça tient sur une case. Et de voyager d'un point A à un point B. Tout simplement. Du moins, sur le peu de vidéos que j'ai pu voir, c'est le principe. Voilà, génération de chunk, là, ça a des petits lags. Ce serait bien que le jour se lève. Jour se lève à peine. Je suis déjà debout. Déjà, je promène une larme sur mes joues. Allez, vas-y. On va aller buter ça. Ah, j'ai jeté mon arme. Ah, mais quelle buse. Ah, mais eux, ils sont agressifs ou quoi? Ah bah oui, ils sont agressifs. Attends, je me casse. Oh là, j'ai fait un de ces bons. Bon, il est bien ce jeu. Oh, regardez. Ah, mais oui, mais non, mais c'est parce que je suis mort. Donc si ça, c'est quoi là, cette espèce de rayon laser? Est-ce que ça indiquerait pas l'endroit où je suis mort? Ok, en haut à droite. On a les biomes, on est dans un biome océan fossile, on est dans un entre deux biomes. Mais j'aime beaucoup le côté très zen, balade, open world. Bon, ça saccade un peu parce qu'il y a pas mal d'entités. Il y a l'air d'avoir pas mal d'entités la nuit. Si je vais par là, je vais me faire trucider. Sympa la voie lactée là-haut. J'aime beaucoup. Ah bah il y en a une à droite, il y en a une à gauche. Ah, la voie lactée, un autre système solaire sans doute. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Par contre j'ai spawn à perpète les oies, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ok, on va se diriger vers le... Vers le nord, enfin... Hop, plus ou moins. Eux ils m'attaquent pas, ils sont pas agressifs apparemment. Et est-ce que c'est l'endroit où je suis mort avec la vilaine grosse bestiole? Qu'est-ce que c'est que ça? Un trésor, interagir. Oui, take all. Hop. L'inventaire a pas l'air d'être limité. Et voilà, d'accord. Je récupère mon stuff. Effectivement, c'est bien foutu. Enfin, je pense que c'est mon stuff. Tech Hall, oui. Alors, oui. Ça doit être mon arme. Voilà. Donc, un double clic. Alors, comment le mettre dans ma barre rapide? Avec un double clic, peut-être. Et ben voilà. Ok, à l'emplacement 3. Donc emplacement 3, voilà. Et on va régler nos comptes avec Marcibulle, Marcifeuille. Il est où là le Pokémon? Il est où? Quelques petites saccades hein, quand même. Hein, on fait comme on peut. Est-ce qu'il m'attaque celui-là? Non, il m'attaque pas. J'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup l'ambiance. Hein. Comparé à Minecraft, c'est beaucoup plus joli. Bon, après, ça dépend peut-être des packs de textures. Toi t'as décidé de m'attaquer, c'est ça? Ils ont tous décidé de m'attaquer. Je crois que je vais pas faire le poids. Viens là toi. C'est toi qui m'a défoncé là, c'est un de tes potes. Et viens là. Hop, attendez, je vais essayer de reculer. Me tue pas, me tue pas, me tue pas, me tue pas, me tue pas. Ah bah non, j'en ai tapé un autre. Ah, et puis je me gourde dans les touches. You have been defeated. Ok, bon bah hop. Bon. Bon. Bon, je vous ai pas présenté grand chose, mais Creativer, ça a l'air sympa. Est-ce qu'on joue un petit peu? Oui, il m'a complètement viré du monde. Je sais pas quoi. Bon, apparemment, il y a des coffres au trésor à trouver. Et c'est bien, on découvre ça ensemble. Hein, ah, bah j'ai gardé mon arme. Ah, parce que j'ai peut-être posé un téléporteur. Ah, c'est peut-être ça l'astuce.
Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des coquillages. On va se balader encore un petit peu. Ah, j'aurais bien voulu vous quitter 2 jours, ça aurait été plus sympa. Donc les monstres, certains monstres sont agressifs. Ça a l'air d'être assez aléatoire. On n'a pas creusé pour voir non plus si on pouvait rentrer sous terre dans le monde de qu'est-ce que c'est. Oh bah attendez, on va aller voir. Oh oui, il y a de la grotte, il y a de la caverne. Montante. Yahoo! Il y a sans doute du monstre. Ah, est-ce qu'il y a un système de lumière? Ouais, vous n'allez pas voir grand-chose, vous, sur le retour. Vous n'avez pas... Et forcément, je me suis foutu dedans. Je me suis foutu dedans. On a de la roche. Alors attendez. Un, on va diguer. Ok. Est-ce que la roche nous apporte d'autres matériaux? Ok, c'est un petit peu plus long. Alors, est-ce que c'est possible? Ça n'a pas l'air d'être possible. Sans doute me faut-il des outils. Vous voyez que ça fonctionne pas. La terre, oui. Et la pierre, j'arrive pas. Improved Power Cell. Ok, d'accord, il me faut sans doute une upgrade au niveau du de ma fonction là, de mon pouvoir, pour pouvoir récolter la pierre. Alors, on va sortir de là. Ouais, c'est noir pour vous, c'est noir pour vous. Hop, on va mettre de la lumière. Vas-y, fais-moi une marche là. Mais sors-moi de là, sors-moi de là. Quelle idée aussi ça a été d'aller dans ce trou. Hop. Vas-y, il y a bien une issue quand même. Le mec qui arrive pas à sortir. Attends, il y a peut-être plus simple. Il est où le toit? Voilà, le sommet là. Oui, ça peut durer longtemps. 7, 7, 7, 7. On se fait aux touches, hein. Oui, bah. Ah, on n'est pas tous super doués. Surtout moi. Alors attends, ça. Ah bah non! Pas toi! Ah mais non, 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 je me casse moi. Et je suis dans un trou. Alors, c'est super. Est-ce que... Ok, d'accord. Et puis alors, je peux pas creuser plus. Super, bien, 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 bien le jeu, bien. Me v'là bien. Alors, j'ai dit que j'essayais de m'en sortir. C'est pas gagné. Surtout avec des touches moitié inversées. Alors hop là, là je reviens par là. Bon, il y a moyen de faire pas mal d'exploration. Hop là, fous-moi la paix toi. Fous-moi la paix. Hop, 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 hop. Ha ha, tu m'as pas eu. Turlututu, chapeau pointu. Mais pourquoi tu fais ça toi? Ah oui, c'est vrai que la physique. Hop, on peut laisser des cubes en l'air. Alors attends. Hop, on va essayer de sortir de là. Histoire que... Et au-dessus de moi, hop, on va faire un passage. Oui, il fait jour. Voilà, on va y arriver, 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 on va y arriver. On y arrive. Pouh! Allez hop, on suit le soleil. Le mec, il a pas avancé. Voilà, on va éviter les monstres. Enfin les monstres. Si on peut appeler ça des monstres. Sans doute moyen. Ah bah attendez, est-ce que je peux crafter une armure ou un truc comme ça? Ah, j'ai trouvé des champignons, crafting. Ah, mais c'est vrai que j'ai plus rien. J'ai plus rien. J'ai plus rien. J'ai plus rien. Des explosifs. Je peux crafter des explosifs. Ah, c'est énorme. Ah, bah, c'est énormément d'exploration. Et puis c'est bien. Quand vous prenez un bloc, en fait, vous récoltez ce qu'il y a dans le bloc. Comme les lianes tout à l'heure, on a vu quand j'ai pris du bois de chêne, plus ou moins. Échappe. Ok, d'accord. Ah, ça, c'est un jeu qui me plairait, ça. Ah, s'il était gratuit. Allez savoir. Mais sinon, est-ce qu'il vaut ces 10 boulasses? Bon, on n'en a pas vu assez pour le confirmer là avec cette vidéo. Mais si vous renseignez, vous regardez d'autres youtubeurs qui ont tourné dessus, je pense que ça vaut largement les 10 euros. Il y a des jeux qui sont vendus beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Et franchement, qui ont très 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 peu de contenu. Hein, je veux bien croire qu'on puisse être exigeant avec des jeux gratuits qui n'ont pas forcément énormément de contenu non plus. Et quand on dépense des sous pour avoir un jeu, ce qu'on attend de celui-ci, bah, c'est quand même qu'il nous divertisse un maximum. Parce qu'on en veut pour notre argent. Hein, quand même. Attends, on va le buter lui. Est-ce qu'on va réussir à le buter hein? Vas-y, viens là. Hop, je... 2 fois sur 3. Hop, viens là, viens là. On va se venger de tes petits copains. Ah, je vais essayer de reculer en même temps pour pas me faire toucher. Voilà, on en a buté un quand même. Hop, oui, take all. On va tuer un crabe aussi. Allez hop, on va tuer un crabe.
petite saccade quand même. Hein. On peut pas faire mieux. Alors si j'en attaque un, est-ce que les autres m'attaquent? Hop, viens là. Oh, on recule comme pour les creepers. Hein. Hop. J'aime beaucoup les graphismes. J'aime beaucoup les dessins. Ah, il se protège le rigolo. Oh, il a peur. Oh mince, j'ai encore jeté mon arme. Ah, mais, et attends, je me suis trompé de touche. Attends, je me suis trompé de touche. Mais mince, mais non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, c'est mal barré. You have been defeated. Alors. Bon, les gens, créativers, je suis pas le meilleur ambassadeur pour vous en parler, mais au moins je vous en aurai parlé, ce jeu existe, oui. Et si vous voulez vous le procurer, c'est 10 patates. Enfin, 10 patates, pas 10 000, hein. Mais, 10 dollars. 10 dollars, TV, Prank Creativers, Last Festival, DL sur ton ordi, sur ton computer. Et ben, tu prends ta carte, et puis tu donnes des sous. Bah, ça y est, hop, je recule. Ok, je reviens ici. J'ai perdu mon stuff. Oh, c'est pas très grave, on se balade encore. Mais c'est bien. Ah oui, d'accord, je suis mort là-bas, quoi, carrément. Oh, des herbes et tout. Mais c'est chouette. Moi, j'aime beaucoup ces jeux-là. Vous voyez, je serais presque à deux doigts de me dire, ah, celui-là, je me le paye. Mais bon, le but du jeu, c'est quand même d'avoir des jeux sans dépenser dessus. Mais celui-là, ouais, celui-là me plairait. Je pourrais me laisser séduire. Hein. Je pense qu'il plaira à beaucoup de fans de Minecraft. Alors il y a certainement moyen de bâtir des maisons, enfin de tout faire en fait. Hein. Si la seule limite c'est comme dans Minecraft l'imagination, où j'y fais beaucoup référence, ce jeu là est génial. Et il est plus fin au niveau du design. Bon, le gameplay, hop, au niveau des manipulations de touches, à mon avis, c'est à configurer. Est-ce que ça joue à la manette? Tiens, juste deux secondes. Hop, on essaye. Non, ça se joue pas à la manette. À moins de le configurer sans doute. Est-ce qu'il y a moyen, tiens. Game option. Audio control. Use Moose Acceleration. Non. Ok, on peut pas descendre. Ok, bah non. Back. Oh, on aura regardé. Key binding, c'est quoi ça? Ah, bah si, il y a moyen de configurer. Je savais pas ce que ça voulait dire, binding. La dernière fois que j'ai entendu ce mot là, c'était dans Isaac, Binding of Isaac. Ok, bon bah on va faire cancel. Back, bon bah très bien, bah écoutez, c'est une découverte. Hein. C'est une découverte Creativerse. C'est un jeu qui a l'air vachement sympa. Bah, il est beau en tout cas. Hein. C'est contemplatif. Voilà, je cherchais le mot, c'est contemplatif. Et encore, vous voyez, je vous le montre en très basse résolution. Il n'y a pas un joli biome là, sur lequel on pourrait se laisser. Bon, déjà, j'attendais le jour pour qu'on se laisse. Et on a vu très peu de choses. Hein. Donc, je suppose qu'il est beaucoup... Oh, l'océan. Sous l'océan. Alors, hop. C'est l'amour à la plage. Ah ou, tcha tcha tcha. Et mes yeux dans tes yeux. Ah ou. Superbe. Super, et eh bah ben, regardez, est-ce qu'on a un F5? Est-ce qu'on peut se voir? Non, on peut pas se voir, on n'a qu'une vue FPS. Et eh bah ben, c'est très bien comme ça. Donc les amis, Creativerse, c'est pas souvent que je vous propose des jeux qui sont pas gratuits. Celui-là, je vous le propose. Je vous invite à le tester. Si j'arrive à poster cette vidéo, vous aurez peut-être encore un petit peu de temps pour le télécharger. Mais sinon, allez regarder des vidéos de youtubeurs qui ont tourné dessus. Je pense que vous aurez de meilleures explications. Mais bon, voilà. Moi, j'ai fait mon taf. Sur ce, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt dans votre futur. Allez, ciao. Bye.